origine, à Lille aussi, celle-là, d'ailleurs. Ah voilà, ouais, c'est là voilà. Aussi. Et ce chat détective... Bartosz Galos détective. Il... Oh, Galos détective. Voilà. Il... disons... Και το βρίσκουμε αυτά που είχε φωτογραφίσει. Έμαθε πάρα πολύ καλά. Αυτός ο γάτος τον έμαθε πάρα πολύ καλά να μεταχειρίζεται το μολύβι. Alors, j'ai le plaisir, pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, de vous présenter Yvan Pommeau, qui est un auteur illustrateur que presque tout le monde connaît dès qu'on s'intéresse à la BD, à l'illustration, et puis même au roman policier et à la mythologie. Voilà, le nom d'Yvan Pommeau surgit immédiatement. Alors, merci de nous avoir rejoints à Athènes. Non, je suis tombé dans la mythologie. En effet, ce livre me fascinait, les illustrations, les histoires. Et je savais qu'un jour j'y viendrais. J'attendais simplement de me sentir prêt à le faire. Parce que le problème pour moi, c'est d'adapter, sans l'édulcorer, l'histoire pour des enfants. Et pour ça, je me sers de l'image, et d'une image narrative qui entre en résonance avec le texte. Et de cette façon-là, on peut dire beaucoup. Et grâce à l'image, enfin, j'espère qu'on s'en rend compte, on peut dire beaucoup, donc on peut avoir un texte très allégé et transporter toute une partie de l'histoire dans les images. Donc pour ce qui est du bouclier d'Achille, je ne l'ai absolument pas décrit, je l'ai seulement dessiné. J'ai fait la Thétis, la mère d'Achille, qui allait rencontrer Héphaïstos et qui lui demandait des envois à Héphaïstos, qui forge et qui lui demande des armes pour son fils. Et j'ai simplement dessiné les armes, l'armure, le bouclier, le casque. Et c'est vrai que dans le bouclier d'Achille, il y a la nuit, le jour, un fleuve, deux villes, une armée dans une ville, un mariage qui sort de l'autre ville. Derrière la ville, des gens qui cultivent la vigne. On voit aussi un lion qui attaque un taureau. On voit aussi Home to go in France. You are the winner. I hope you will enjoy in France. And maybe I profite de la situation to kiss you. Bravo, donc écoute. Bravo. Bravo.